Mike Pant est actuellement un des plus grands vendeurs de disques. Il est l'idole des minettes. Il est jeune, enfin, il a l'âge des gens qui sont susceptibles de s'intéresser à lui. Il a une voix qui est très bonne, enfin qui est tout à fait valable. Il a de bonnes chansons. Il y a des chansons qui sont adaptées à ce que demandent les gens en ce moment. Et puis, professionnellement, il a une équipe qui est sérieuse et il fait partie, si vous voulez, d'une écurie. Enfin, les gens qui s'en occupent bien et sont suffisamment forts pour le porter. Et puis, ça fait longtemps qu'il travaille pour arriver à ce but. Je veux dire, ça a été un peu une explosion qui est préparée depuis longtemps, quand même. Donc, il y a pratiquement tous les éléments de la réussite. Les chanteurs placés aux premières places du hit parade sont sollicités pour de nombreux galas en province. Les multiples organisateurs de bals savent très bien qu'avec une bonne vedette en attraction, ils peuvent s'assurer un joli bénéfice. Tous les vendredis, samedis et dimanches, Mike Brown participe jusqu'à 2 bals par soirée. Il s'agit de profiter pendant que ça marche et son producteur ne veut manquer aucune occasion. Ils sont pas là ? Pas con ! C'est trop dur ça. Là, je vais essayer la chanson. Il y a un barrière ? Est-ce qu'il y a un barrière ? Avalant les kilomètres, épuisé, Mike Brandt suit la route tracée par ceux qui s'occupent de lui. Ici, à Wassel, près de Rouen, 1800 jeunes ont payé 25 francs pour participer au bal et voir Mike Brandt, dont le passage est annoncé vers 23h. Il chantera à 1h moins le quart. Son cachet actuel est de 7500 francs par gala. Sur ma liste, j'ai 40 filles qui chantent « C'est ma vie ». Bien, et moi je réponds, le soliste. Bien, vous êtes maintenant le cœur, et moi je vais répondre, ok? C'est d'accord, pas de problème? Ok. Ok. Ça, c'est pas une vraie prière, hein? C'est pas une prière comme vous. Ok, mais... Je viens vers toi,
À la fin de chacun de ces galas, Mike Pant est terrifié par l'enthousiasme de ses admiratrices qui réussissent à escalader les barrières et à sauter sur scène. Peut-être devrait-il augmenter l'effectif de ses gorilles. Encadré par des policiers, il saute dans sa voiture de sport.